Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous un spot bien sympa qui au prix d'une petite manipulation pas bien compliquée, vous le verrez, vous permettra de faire respawn à volonté un grizzly et un cougar. Alors certains me diront qu'on est bien loin des astuces et des glitches autour de l'XP et de la monnaie illimitée, c'est vrai, par contre je me suis dit que ce serait intéressant à partager et puis comme d'habitude vous en ferez ce que vous voudrez. Si vous voulez vous entraîner à chasser des animaux dangereux, ce sera l'occasion de le faire, ou bien plus simplement farmer des peaux et des carcasses de valeur puisque on n'est pas très loin de Blackwater, vous allez le voir. Avant d'y aller, je vous demanderai simplement de vous équiper des armes adéquates. Pour l'occasion, j'ai pris mon arc avec des flèches normales. Sinon, j'ai un fusil à verrou que je vais équiper de munitions express pour être sûr de faire mal, même dans le cas où je ne viserai pas directement la tête de ma cible. Et en même temps, on va voir comment il recharge bien et qu'il change de munitions de façon super classe. Donc voilà, on est paré pour commencer. Je vais encore faire un truc, histoire que les plus pressés d'entre vous puissent voir où ça se trouve sans être obligé de se taper la vidéo en entier. Vous avez vu, je suis sympa. On n'est pas très loin de Blackwater, vous le voyez, même si ça paraît long sur la map. Vous savez très bien que c'est 2-3 minutes maximum à cheval. Sinon, on est juste au sud de Manzanita Post. On a un point de voyage rapide juste ici. Et comme repère, vous pouvez prendre les 4 cabanons qui forment un genre de carré ou de losange selon l'angle dans lequel on se place. Dans tous les cas, c'est parti. Je vérifie que j'ai bien chargé mon fusil. On y va, et donc moi je rentre toujours de la même façon dans mes zones de chasse. Donc pour le coup ce sera cette entrée, et j'y vais très doucement. Vous avez vu qu'on voit déjà le grizzly passer. Je sais pas exactement comment spot les animaux, mais c'est vrai que moi en tant que quelque peu maniaque, j'utilise toujours plus ou moins les mêmes méthodes. Donc hop. On a un grizzly ici, il semble qu'il y avait un grizzly qui est parti de l'autre côté. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, on va juste s'approcher pour voir. Est-ce qu'il a laissé une trace ou pas? Je suis sûr d'avoir vu un grizzly. Donc, de toute façon, on va se concentrer simplement sur celui que je viens de tuer. Logiquement, de cet endroit-là, on est censé avoir un cougar. Donc vous voyez qu'il est à 3 étoiles, j'ai de la chance. De toute façon, il y a de l'aléatoire, hein. Donc on peut très bien tomber sur un animal qui de base est en mauvais état. Donc on pourra faire ce qu'on veut. Il sera toujours en bon ou mauvais état et pas en parfait état comme celui-ci. Et sinon, normalement, les ours apparaissent derrière les cabanons. Donc là, c'est un peu bizarre, comme c'est pas forcément comme ça que ça se passe d'habitude. En tout cas, de toute façon, le plus important, c'est de vérifier qu'on a bien des animaux qui spotent une première fois ici. On va faire simplement un aller-retour. On va ressortir par là où on est arrivé. On va faire une petite ligne. Donc, je ne vais pas pouvoir vous couper la vidéo dans un souci de véracité de ce que je raconte. Mais sinon, je vais accélérer la scène et on se retrouve dès qu'on arrive de nouveau devant l'entrée du bois. Alors moi j'ai mon repère qui est juste ici, donc je sais pas si on peut aller plus ou moins loin. En tout cas voilà, moi je m'arrête ici, je sais pas, je trouvais que c'était un bon point de repère. Et en même temps, regardez-moi cette vue, s'il vous plaît, c'est pas magnifique. J'ai l'impression que où qu'on soit, à partir du moment où on commence à regarder autour de nous, on va se retrouver avec un panorama de fou, où on a envie de s'arrêter, décompresser ou de prendre des photos, je sais pas, bref. En tout cas on va y retourner parce que c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Et on se retrouve devant le petit bois. Alors comme à l'instant, je vais ressortir mon fusil. Hop, je vais le recharger. Je ralentis bien évidemment à l'entrée de la zone. Et on va voir ce qu'on a qui spot cette fois-ci. Alors hop, pour le coup, on a les deux. Hop, 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 hop. Le problème c'est qu'on s'est fait rusher par l'ours. On va lui mettre une bastos à ce bâtard. On va vérifier où est le cougar. Alors c'était assez chaud parce que les deux auraient pu nous prendre en sandwich. Vous voyez qu'on a le cougar, hein, juste là. J'essaie de voir si je peux le pister. De toute manière, vous avez pu voir que voilà, la technique fonctionnait vu qu'on a eu un second grizzly qui est apparu. Hop, et on a le cougar qui est juste là. Hop, on va lui mettre une bastos à lui aussi.
juste simplement vérifier la qualité. Hein. Hop, on a 3 étoiles. L'ours doit être à 3 étoiles aussi. Donc, on va pas aller plus loin pour pas allonger la vidéo, mais vous avez vu que ça fonctionnait. Dans le cas où il n'apparaîtrait pas la deuxième fois, lorsque vous revenez, vous ressortez, vous faites pas le parcours entier comme moi je l'ai fait, vous allez même pas à la moitié, simplement vous éloignez juste un petit peu du bois et vous revenez encore une fois et vous allez voir que ils vont apparaître. Ça fonctionne à tous les coups. J'ai essayé de nombreuses fois, vous voyez bien que même si les pots sont de très bonne qualité, je vais même pas me faire chier à les ramasser parce que voilà, comme dit, je sais que c'est faisable à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. En tant que maniaque, je vous dirais faites attention à l'heure de la journée à laquelle vous venez, je pense que ça influe aussi sur le rythme de respawn, la vitesse à laquelle je rentre, je sais pas si ça influe vraiment, mais moi pour le coup je fais très attention, et c'est vrai que j'ai plein de petits marqueurs comme ça que je prends en compte. Pour ceux qui regardaient Malcolm, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où ils vont au bowling et vous avez Al qui commence à enchaîner une série de strikes, et au bout d'un moment on le retrouve avec un tas de tics. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il fait un tas de bricoles. Je pourrais plus vous dire exactement. Il essuie sa chaussure. Il fait des trucs comme ça. Il dit un truc. Et il a l'impression que s'il fait pas toute cette manœuvre-là, il va pas réussir son enchaînement justement de strikes et sa série de réussites. Et je suis un peu comme ça, même si voilà, je suis pas une caricature. Mais voilà, sur le principe, c'est un peu ça. Donc faites comme bon vous semble, regardez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins dans tous les cas. Je précise une dernière chose, c'est vrai que pour ceux que ça intéresse, on a un tas de plantes ici qui poussent. Vous voyez que là, je suis sur une zone d'origan. On a de l'origan, on a de la sauge, on a de la carotte sauvage, on a des baies, je crois que c'est des framboises ou des bricoles comme ça. Et pour terminer, on a une plante ultra rare puisqu'on a du ginseng. Je vais même aller regarder ça, il me semble que c'est du ginseng juste ici, regardez. Voilà, qui est super rare. La preuve, c'est que je suis pas au max de mon stock. Et le ginseng vous permet de concocter des toniques normalement pour la vie. Et donc ça peut être intéressant. Justement, si ça vous intéresse que je vous fasse des petits tutos ou des vidéos autour des différentes concoctions et les éléments dont on a besoin, la façon dont on peut les récupérer, dites-le-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Je ne l'ai pas encore fait parce que je me dis que ça ne vous intéresse pas forcément. Par contre, si vous me le demandez, je pourrais très bien vous sortir une vidéo sur le sujet. Dans tous les cas, on va en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas et que vous n'aimez pas ce type de tuto parce que vous les trouvez inutiles, mettez-moi un pouce rouge. Moi, ça me permet, comme d'habitude, de prendre la température. C'est vrai que je le répète assez souvent, mais je pense que c'est quand même utile de le préciser. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous très très bien. Et bien évidemment, à plus les casus!